Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xavier parle avec des gens. Et aujourd'hui, nous allons parler avec Stéphane Bessadi. On va parler de choses un peu différentes de ce qu'on a parlé précédemment, qui était d'interculturalité, de leadership, de gestion du changement et de gestion des talents et de développement des gens. Encore que, vous allez voir, ce n'est pas forcément totalement... c'est pas sans lien, mais la différence c'est que là aujourd'hui en fait on va parler d'un cas beaucoup plus concret et de choses que, dont en fait je suis assez récemment j'ai traversé un sujet qui m'a interpellé ayant vécu dans des pays en voie de développement. Voilà, ça m'a interpellé et c'est tout ce qui concerne la gestion de l'eau et de l'énergie liée à l'eau en termes d'assainissement et d'acheminement de l'eau. Voilà, donc ça c'est globalement c'est le gros sujet d'aujourd'hui. Voilà, et mon invité Stéphane Bessadi lui va nous parler d'une nouvelle approche qu'il essaye de mettre en place. Alors Stéphane, juste pour cadrer assez rapidement, c'est un professionnel qui a une vingtaine d'années d'expérience dans justement toutes les problématiques de gestion, d'assainissement de l'eau, avec des expériences depuis, je ne sais pas, peut-être bien pas loin d'une dizaine d'années à l'international. Il travaille aujourd'hui avec justement un organisme assez conséquent dans le terme de financement, de gestion de... Non, enfin, voilà, de financement, de gestion de projets liés à l'assainissement de l'eau. Voilà, je crois que j'ai bien cadré les choses, Stéphane. Je me trompe ou pas? C'est bien ça. Bonjour Xavier, bonjour tout le monde. Merci de nous écouter. Oui, c'est bien ça. Après plusieurs années dans le secteur privé, en France et dans différents pays en Asie, voilà, j'ai choisi de rejoindre une grande organisation internationale, la Banque Asiatique de Développement, pour continuer à développer les services de l'eau et de l'assainissement et d'autres infrastructures également, en ayant justement cette vision globale en Asie, donc qui est quand même une des zones de la planète aujourd'hui où ces problématiques de l'eau et de l'assainissement sont particulièrement fortes, avec une très forte croissance économique, une population aussi qui croît, un niveau économique qui se développe, et des ressources en eau qui parallèlement ont tendance à devenir de plus en plus rares, de plus en plus polluées. Et donc, il y a effectivement différentes actions qui sont en place depuis pas mal d'années par des organismes comme celui dans lequel je travaille aujourd'hui pour améliorer cette situation. Ok, merci. Là, Stéphane, on va rentrer dans le vif du sujet hein, assez rapidement. Est-ce que vous pourriez nous décrire à quoi ressemble la situation d'une manière générale en termes de gestion de l'eau et de l'énergie liée à l'eau, hein, je rappelle, acheminement et assainissement de l'eau dans les pays en voie de développement, alors, ceux pour lesquels vous avez pu travailler, mais j'imagine que ça doit pouvoir se rapprocher aussi aux autres pays dans lesquels vous n'avez pas travaillé. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la situation en général, en termes de gestion d'eau et de l'énergie liée à l'eau? Et du coup, quels sont un peu les challenges auxquels on fait face? Tout à fait. Effectivement, moi, c'est ce qui m'a toujours passionné donc dans ces problématiques d'eau et d'assainissement, et c'est ce qui a fait que j'ai choisi d'y travailler. Et je continue à découvrir toujours avec autant de passion comment ces problématiques sont liées de manière très forte à la qualité de vie des populations. Donc c'est évident, on a tendance à moins s'en rendre compte en France, quoique récemment avec la pandémie du Covid, de la Covid, pardon, ça c'est revenu de manière très très forte. C'est que l'eau et l'assainissement, c'est très important dans notre vie quotidienne. On n'y fait plus attention, mais effectivement, d'avoir de l'eau de bonne qualité à nos robinets, d'avoir de l'eau qui ensuite est traitée dans le milieu naturel, c'est quelque chose qui n'est pas systématique sur la planète, et ça conditionne
complètement nos modes de vie. Ça conditionne vraiment la manière dont on, les activités qu'on va pouvoir faire, le travail qu'on va pouvoir développer, le temps qu'on va pouvoir aussi consacrer à d'autres activités, parce qu'il y a encore beaucoup de populations sur cette planète qui doivent dédier une partie non négligeable de leur temps pour s'assurer qu'ils ont une bonne eau ou que ils ne sont pas trop gênés par les eaux d'assainissement et les déchets, etc. Donc voilà. Donc la situation en Asie aujourd'hui progresse. Hein, donc il faut voir ça de manière positive. Il y a des bilans qui sont faits de manière régulière, et notamment à l'ADB, on a fait une étude l'année dernière, donc qui est consultable sur le site de l'ADB, qui s'appelle Laudo 2020, donc qui fait un état des lieux des ressources de l'eau, et notamment de l'accès à l'eau potable, de la situation concernant l'assainissement, et de ce qu'on appelle, donc il y a des cinq paramètres, indicateurs qui permettent de juger en fait de l'état de l'accès à l'eau et de l'assainissement. Donc ça progresse, mais la situation est qu'il y a quand même à l'échelle de la planète, donc notamment en Asie, des centaines de millions de personnes qui ont un accès limité à ces ressources en eau, donc qui ne se fait pas de manière sécurisée. La situation, alors là, concernant l'assainissement, c'est encore plus important. Hein, on rejoint le milliard de personnes qui n'ont pas accès à un système d'assainissement. Donc voilà, il faut vraiment là-dessus reprendre un peu de distance, sortir un peu de notre confort habituel et se rendre compte que voilà, en Asie aujourd'hui, notamment dans les zones rurales, mais aussi dans les zones urbaines, avec ce qu'on appelle les slums ou je sais plus comment dire en français, enfin les bidonvilles ou voilà les systèmes d'habitation informelle qui sont en général à la périphérie des grandes villes. Il n'y a pas de système d'accès à l'eau continue, pérenne. Et donc, voilà, la recherche de l'eau et de l'assainissement se fait vraiment au quotidien. Et ça peut prendre plusieurs heures à des familles pour s'assurer cet accès à l'eau. Donc, il y a vraiment à la fois un problème d'infrastructure. Donc, ça, c'est évident. Il n'y a pas les mêmes infrastructures que ce qu'on peut trouver dans d'autres pays. Il y a aussi des problèmes très forts de gouvernance et d'opération. Donc, c'est-à-dire que les autorités qui sont en charge de réguler ces systèmes n'ont pas forcément les moyens ou les compétences nécessaires pour le faire. Et les organisations qui sont en charge, donc ce qu'on appelle les utilités, donc on va dire les services de l'eau, qui peuvent être publics ou qui peuvent être privés, qui peuvent être mixtes, peu importe, ne vont pas pouvoir opérer donc dans les mêmes conditions que ce qu'ils vont le faire dans des systèmes plus performants, parce qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires pour le faire, mais aussi parce qu'ils n'ont pas les systèmes opérationnels, les systèmes de management, l'organisation, les compétences pour pouvoir opérer de manière pérenne. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Voilà, c'est que c'est des éléments très complexes, l'eau et l'assainissement, qui sont vraiment très transverses. Donc il y a beaucoup d'éléments qui permettent d'avoir un service de l'eau efficace. Et pour maîtriser ces éléments, il faut évidemment une organisation, des compétences, de l'expérience. Et dans beaucoup de cas, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de villages, ces éléments ne sont pas là. Il y a aussi des situations économiques difficiles qui font que le tarif de l'eau va être assez bas. Donc ça va encore rajouter une échelle de complexité. Donc c'est un peu une spirale non vertueuse qui fait que des bas tarifs, des infrastructures précaires, des systèmes opérationnels déficients font que les ressources en eau, qui ont tendance, de toute façon, avec le changement climatique, à devenir plus rares, ont tendance à devenir encore plus rares parce qu'elles ne sont pas opérées de manière pérenne. Donc vous voyez bien, c'est vraiment une spirale qu'il faut absolument casser, puisque là maintenant les études sont formelles, on n'a plus beaucoup de temps. On sait que voilà, maintenant l'échéance se rapproche. Il y a déjà eu en 2019 dans des grandes villes en Asie comme Chennai, Manille,
Cape Town, il y a eu des situations d'alerte où en fait il y avait plus d'eau en stockage. Donc on est passé très très près de la crise avec des grandes villes qui auraient pu ne plus avoir d'eau pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc on se rend compte que là la situation devient vraiment urgente et qu'il faut inverser la tendance. Donc encore une fois, il y a des progrès qui ont été réalisés, mais on se rend compte aussi qu'il faut maintenant changer d'approche. Merci d'avoir répondu aussi largement. peut-être que nos éditeurs ont besoin de récapituler un petit peu. Mais alors, juste comme ça, comme vous disiez, un accès limité à l'eau. Et je pense que ce serait intéressant pour nos auditeurs de dire à peu près, un accès limité à l'eau, ça correspond à combien de litres par personne, si jamais on a des chiffres à ce niveau-là? Alors, ça peut être en quantité, effectivement. Donc là, il y a différents niveaux de consommation qui sont donnés. Donc, ils peuvent varier en fonction des pays, en fonction des contextes. Donc, ça peut être autour de 150 litres dans des 150 litres par jour et par personne dans des pays développés. Dans des pays donc en développement qui ont pas ces quantités-là, ça peut être beaucoup moins, quelques dizaines de litres. Mais il y a vraiment aussi un aspect sécuritaire et de qualité, c'est-à-dire que il faut évidemment avoir accès à une quantité suffisante, mais aussi que la qualité soit bonne et que elle soit quotidienne, c'est-à-dire qu'elle puisse être assurée en continu. Donc c'est vrai que nous, on a des systèmes d'alimentation en continu dans nos pays, dans nos villes. Donc où l'eau, en fait, on ouvre le robinet, l'eau est là. Mais il y a aussi beaucoup de villes où il y a un fonctionnement intermittent, c'est-à-dire que l'eau est distribuée uniquement certaines heures par jour. Donc bon, on a des systèmes de stockage qui sont réalisés, mais qui vont aussi avoir d'autres conséquences. Donc voilà, il y a vraiment un aspect sécurité et qualitatif aussi qui s'ajoute à la quantité. Oui, enfin, quand on dit sécurité ou qualité, j'imagine que c'est un tout petit peu la même chose. On parle bien en fait d'une eau potable, d'une eau sans virus, d'une eau sans bactéries nocives pour nous. C'est bien ça dont on parle. Tout à fait, tout à fait. La potabilité d'une eau est définie voilà, par rapport à trois grands types de critères, donc des critères de physico-chimique, des paramètres aussi d'odeur, d'apparence, qui permettent de s'assurer donc que l'eau est potable. Voilà. Donc ça peut dépendre, ça peut varier en fonction des pays. Il peut y avoir des critères ou des seuils notamment qui varient, différentes substances aussi qui peuvent être analysées ou non en fonction du niveau de développement des pays. Mais voilà, en tout cas, les critères de potabilité sont définis dans chaque pays et sont en général, donc c'est dans des systèmes, encore une fois, ça va dépendre des pays, mais en général, donc il y a des analyses qui sont faites de manière régulière. Et il peut y avoir aussi, en fonction des villes, en fonction des pays, une eau qui est délivrée comme étant une eau potable ou non. C'est-à-dire qu'il y a aussi des villes en Asie où l'eau n'est pas potable et où pour boire de l'eau, il faut avoir un système parallèle, donc de bouteilles, de petits conteneurs à la maison où on peut avoir de l'eau potable. Effectivement, on n'imagine absolument pas, en tout cas ici en France. Et du coup, là, vous me disiez, là, que, si j'ai bien tout saisi, qu'il y avait souvent des problèmes ou d'infrastructures ou de compétences humaines, et c'est bien ça? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à considérer, en général, bon, l'aspect infrastructure, je pense, est bien connu du grand public. On voit bien que pour traiter de l'eau, pour acheminer de l'eau, il faut une station de production, il faut un réseau, il faut une station de traitement. Donc ça, je pense que c'est bien connu de tout le monde. En revanche, la partie opérationnelle est un peu plus une boîte noire où on a tendance à des fois sous-estimer le travail qui est nécessaire pour acheminer de l'eau, pour traiter de l'eau usée.
Et donc ça, c'est vraiment un des aspects qu'il faut développer, que moi personnellement j'essaye beaucoup de développer d'apporter dans les projets sur lesquels je travaille. C'est vraiment cet aspect opérationnel, c'est-à-dire que on met en place une infrastructure à chaque fois pour des utilisateurs finaux, évidemment, mais il y a un intermédiaire qui est l'opérateur, donc qui est celui qui va réceptionner l'infrastructure et qui va s'assurer qu'elle est opérée de manière pérenne pendant le plus d'années possible, qui va en prendre soin et qui va la maintenir, décider des remplacements ou des améliorations nécessaires. Donc cet aspect opérationnel est vraiment très important. Il a été sans doute sous-estimé ces dernières années, c'est-à-dire que dans des pays avec des ressources limitées, on a tendance à se concentrer sur l'infrastructure, à dire voilà, on veut avoir une nouvelle station, on veut avoir un nouveau réseau. Et on se rend compte de plus en plus que ce manque d'intérêt sur les aspects opérationnels et de gouvernance également, a un impact sur la durabilité du projet. Voilà, ça c'est vraiment très clair dans les audits qui sont faits, les audits récents qui sont faits sur les projets. On se rend compte que le fait qu'il n'y ait pas vraiment de capacité en charge, de gouvernance en charge pour gérer l'infrastructure et pour en prendre soin, fait que il peut arriver que l'infrastructure ait une durée de vie très courte, voire extrêmement limitée, parce qu'elle ne correspond pas forcément à la capacité opérationnelle du moment, et elle ne va pas être optimisée comme il se doit, et donc elle peut disparaître assez rapidement. Donc, pour résumer, c'est un peu comme si voilà, je construis une machine un peu sophistiquée, je vous la donne, et je vous dis, bon, ouais, Xavier, bon courage, et faites au mieux. Avec un manuel et 3 mois de formation pour maîtriser la machine, ça peut être compliqué, notamment pour des stations de production d'eau ou des stations d'assainissement ou des réseaux qui peuvent être assez compliqués à opérer. Donc c'est vraiment des aspects très importants. Moi, enfin, pour prendre un peu des exemples, des fois pour des gens qui voyagent beaucoup, par exemple, des exemples parlants, ça peut être quand vous allez dans un hôtel, par exemple, quelle est la part que vous allez donner à la qualité de l'hôtel, de l'infrastructure de l'hôtel, et quelle est l'importance et la part que vous allez accorder à la qualité du service. Donc, c'est-à-dire la qualité opérationnelle de l'hôtel. Bon, c'est parfois très lié. On peut imaginer un très bel hôtel très mal opéré. Bon, quelle serait sa durée de vie? Quelle serait aussi la satisfaction de l'utilisateur final? Tout ça, et on voit bien que c'est très lié. Donc, c'est vraiment des aspects qui sont très importants à développer. Encore une fois, de plus en plus, les organisations en prennent conscience et ont tendance à mettre les moyens pour se tourner vers ça. Mais c'est vraiment, à mon sens, un changement vraiment radical qu'il faut opérer en se concentrant vraiment de manière très importante sur les organisations en charge d'opérer, en charge de gouverner les infrastructures. Vous avez répondu à des questions que je m'étais dit, tiens, je vais lui poser cette question. Comment on y répond en général? Ben, oui, a priori, vous avez. Pourquoi on fait ça? Parce qu'a priori, les gens n'ont pas pensé au-delà du il nous faut la machine, il nous faut l'implantation, il nous faut l'usine de traitement. Voilà, ça, c'est a priori, c'est le mode, je dirais, de pensée habituel, général. Et pourquoi on fait ça? Alors ça, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Je suppose que parce qu'on n'a pas pensé à la dimension humaine enfin, moi, je ne suis pas dans la tête des dirigeants, mais j'imagine que c'est parce qu'on n'a pas pensé à la dimension humaine, comme vous le disiez là, de rendre opérable l'opérabilité du service. Et oui, évidemment, est-ce que c'est une approche efficace? Est-ce qu'il y a des limites? Bah, a priori, oui, vous nous les avez données. Les limites, c'est est-ce que c'est durable dans le temps? Pas forcément. La limite, c'est la qualité du service et puis la qualité des infrastructures qui risquent comment dire, de dégénérer, tout simplement. Oui, voilà, je crois que j'ai bien résumé là, ce que vous essayez de nous dire.
Non, merci Xavier. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça peut être surprenant parfois. C'est vrai que pour prendre des exemples qui nous touchent ou qui nous parlent, pour ceux qui ont des enfants, ben, on est souvent on a une capacité à donner de la formation et à construire les capacités de nos enfants très fortes. On peut s'interroger des fois dans le cas de projets de développement, pourquoi effectivement il n'y a pas un accent plus fort qui est mis sur le développement opérationnel, le développement des capacités en place. Alors, c'est vrai qu'il y a bon, plusieurs éléments, je pense, à ça. Premièrement, c'est vrai que comme je le disais, dans un cas de ressources limitées, on peut avoir tendance à privilégier l'infrastructure finale et à Ouais, dire, le voilà, solide, le dur. voilà, montrer. Il peut y avoir aussi un aspect politique, hein, c'est-à-dire qu'on peut montrer facilement en 3-4 ans, 5-6 ans, une station, un stade, un bâtiment, une grosse réalisation. Quand on construit des capacités, c'est plus dur. Donc ça peut être un aspect. C'est, voilà, on peut vraiment démontrer de manière tangible comment ce que le projet a donné. Mais il y a aussi là-dessus, je pense, une méconnaissance peut-être de ces réalités opérationnelles qui justement ressort là de manière très fortement parce qu'on se rend compte que il faut le faire de manière intégrée, ces aspects infrastructure et opérationnel et maintenance. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que ça touche du coup à beaucoup d'autres aspects. Donc notamment, si vous prenez la stratégie 2030 de l'ADB, c'est vraiment une stratégie très intégrée qui dit, voilà, aujourd'hui, on va considérer l'ensemble des domaines, l'ensemble des secteurs qui doivent être développés en parallèle. Donc ça peut être l'urbain, le climat, l'énergie, le transport, etc., la santé, notamment, comme on l'a vu avec la crise de la Covid récemment. Mais également avec des aspects qui vont être sectoriels, comme par exemple les aspects sociaux, les aspects genre, donc qui permettent de vraiment toucher à un projet sur l'ensemble des composantes. Et on se rend compte que quand on touche aussi à l'opérationnel de maintenance et au développement des capacités, ben, on doit toucher à l'ensemble de ces projets. C'est-à-dire s'assurer, par exemple, que dans les équipes opérationnelles, ben, il y a un certain nombre de femmes, parce que tout le monde le reconnaît largement aujourd'hui, c'est extrêmement important, qu'il y ait aussi des aspects sociaux qui soient considérés, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va s'assurer que la main-d'œuvre est disponible localement, qu'elle est formée localement, qu'elle a accès aussi à un niveau de salaire qui soit décent, et aussi d'amener pourquoi pas des pratiques, donc d'autres organisations comme du secteur privé qui vont permettre de développer ces capacités en prenant en charge toutes ces composantes. Donc ça permet vraiment d'avoir une approche beaucoup plus riche que de simplement dire je viens, je fais une infrastructure, je vous fais 6 mois de formation et ça suffira. Et donc encore une fois, c'est aussi en général, toujours à la demande des gouvernements que ces choses se font. Donc c'est aussi un message qu'il faut aussi expliquer et développer auprès des gouvernements pour leur expliquer aussi la richesse de ces approches et ce qu'elles peuvent apporter à leur projet. Donc ça, si je comprends bien, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais donc jusque-là où, dans les années précédentes, on ne portait pas trop attention à toutes ces dimensions que vous avez énumérées. J'aimerais vous demander, si vous le savez, pourquoi est-ce que justement toutes ces dimensions qui nous paraissent relativement essentielles aujourd'hui n'étaient pas prises en compte jusque maintenant? Merci. Alors effectivement, c'est assez nouveau dans le sens où bon, il y a toujours eu dans des projets pilotes qui essayaient d'examiner ces situations, ces aspects-là et de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter. Là, on sent justement que ça se systématise et qu'il y a une prise de conscience généralisée. Avec notamment bah, des nouveaux formes de contrats, par exemple, qui vont se mettre en place, qui vont permettre d'intégrer l'aspect opérationnel et gouvernance au développement de l'infrastructure. Donc ça, bah, il y a des innovations qui sont faites en permanence.
Et il y a aussi des innovations, comme je le disais, combinées, donc comme l'approche énergie et eau qu'on a développée récemment, on va sans doute en parler tout à l'heure, avec un nouvel outil qu'on a développé récemment, donc pour avoir une approche combinée plus efficace. Donc je pense que le constat qui est fait pour vraiment répondre de manière très précise à votre question, pourquoi ça se fait maintenant? Je pense parce qu'il y a maintenant une analyse très forte qui est faite, très claire, qui est faite que ça ne fonctionnait pas bien. Et là, il y a une échéance. À mon sens, ce qui est vraiment très important, c'est qu'on se rend compte que là, aujourd'hui, il y a une échéance très forte qui arrive. Donc, on se rend compte là, en ce moment. Avec toutes la communication qui est faite autour de l'importance du changement climatique, de la rareté des ressources, on sait maintenant que dans beaucoup de pays, ça arrive, et notamment la France, ça arrive de manière très proche. Donc les effets du changement climatique sur les ressources arrivent, ils se font sentir. Et donc il faut trouver vraiment des solutions qui marchent et qui permettent à la fois donc de répondre aux problèmes de manière ponctuelle, mais surtout de créer des organisations qui soient capables de gérer ces problèmes. Voilà, on se rend compte que adresser le problème point par point, c'est quelque chose, c'est une course sans fin. Par contre, créer l'organisation, soutenir l'organisation qui va être en place de gérer, qui va avoir la capacité de gérer ces problèmes, donc c'est-à-dire de développer des organisations plus efficaces, de s'adresser, de gérer les effets du changement climatique, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va marcher dans le futur. Donc c'est aussi parce que même les organismes de développement se rendent compte que il faut vraiment qu'ils arrivent à construire en face des interlocuteurs qui s'emparent de ces problématiques-là et qui permettent aussi de gérer et de construire des projets de plus en plus complexes. Voilà. La complexité des projets augmente avec tous ces paramètres hein, qui viennent s'ajouter. La COVID, on a encore ajouté une couche récemment. Donc, il faut vraiment qu'il y ait en face des organisations opérationnelles qui soient capables de répondre à ces aspects-là. Donc là, je vais affoler personne, mais si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que bientôt on va manquer d'eau en France. Alors, il y a effectivement une situation qui a tendance à une situation des ressources qui a tendance à s'aggraver, avec on le voit notamment dans les périodes de sécheresse, avec des ressources en eau qui ont tendance à se raréfier. Il y a aussi, je pense, une prise de conscience et des actions qui sont développées, qui essaye en tout cas d'être à la hauteur de l'enjeu. Donc je pense qu'il ne faut pas dramatiser les choses, mais par contre, il faut effectivement mettre les actions en place nécessaires et qui soient à la hauteur des enjeux. Voilà. On sait que il y a toujours eu une sensibilisation des consommateurs sur certains gestes quotidiens pour optimiser l'utilisation de l'eau, etc. Bon, c'était une première étape, c'est très bien, mais là, il faut aussi maintenant passer, à mon avis, à une échelle supérieure, avec donc il y a des moyens pour ça. Hein. Ça peut être une utilisation encore plus optimisée de l'eau, mais ça peut être aussi une distribution encore plus efficace, l'utilisation de le reuse, comme on dit, donc la réutilisation des eaux grises ou des eaux usées, une meilleure aussi gestion des eaux souterraines et des eaux de rivière, un meilleur contrôle de la pollution des eaux de rivière, etc. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui est mis en place. Et également, en parallèle de tout ça, de manière très importante, une action sur l'optimisation énergétique, aussi dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Donc c'est ce qu'on s'est rendu compte de manière très forte, et c'est pour ça donc qu'on a développé récemment un outil là qui s'appelle STEEP, qui est disponible sur le site de l'ADB. Oui, j'essaierai de mettre le lien sous la vidéo. D'accord. C'est-à-dire que voilà, on s'est rendu compte qu'il y a un double impact. Un double lien entre le climat et l'eau, c'est que à la fois le climat a tendance à raréfier les ressources en eau, donc il faut avoir une utilisation de plus en plus efficace de ces ressources, mais également pour acheminer de l'eau, pour traiter de l'eau usée, il faut de l'énergie.
Et cette énergie n'est pas forcément négligeable hein, à l'échelle de la planète. Ça va représenter une part importante de la consommation énergétique. Par exemple, l'ensemble de l'énergie nécessaire pour l'eau potable à l'échelle de la planète, on estime que ça correspond à peu près la moitié de la consommation énergétique de la France. Donc, optimiser sur cette énergie-là, c'est pas rien. Donc, ça veut dire que si on arrive aussi à mettre en place des services d'eau et d'assainissement qui soient performants en énergie, ben, ils vont déjà limiter leur impact énergétique, mais en plus, ça va permettre de limiter la dépense énergétique et donc de générer des revenus supplémentaires pour ces services d'eau et d'assainissement. Donc il y a vraiment un double impact qui est extrêmement intéressant et on l'a déjà testé donc dans différentes utilités en Asie. Et ça a permis vraiment de montrer à l'utilité qu'on pouvait dégager donc une économie énergétique significante. Hein, on parle de 20 à 30%, donc sur des dépenses qui peuvent être importantes, c'est vraiment c'est très énorme. important. C'est énorme. Absolument, avec des moyens qui sont pas forcément énormes et qui encore une fois peuvent être liés à la manière d'opérer et de maintenir le système. Donc c'est-à-dire vraiment à la capacité des équipes avec de la technologie, notamment on parle beaucoup de smart system, donc avec de la technologie qui permet de monitorer et de contrôler de manière régulière ces systèmes, donc pour mieux les opérer. Donc avec ce genre de pratique, on arrive à optimiser de l'énergie et ça permet en plus de vraiment changer la manière dont on conçoit le projet, puisqu'on va en amont du projet, on va vraiment considérer, en amont du projet d'eau et d'assainissement, on va vraiment considérer quelle va être la future dépense énergétique. Est-ce qu'elle est en gros dans les clous, dans les normes des indicateurs énergétiques? Et est-ce que finalement le projet est acceptable d'un point de vue énergétique? Est-ce qu'on va pouvoir financer la future dépense énergétique? Et est-ce qu'il y a peut-être d'autres manières de faire pour diminuer ensuite la dépense énergétique du projet? Donc c'est pour moi des éléments qui sont de plus en plus liés. Donc c'est pour ça qu'on a fait cet outil. Et ça montre que voilà, qu'en prenant vraiment ces aspects opérationnels en compte, on peut vraiment changer finalement complètement la manière de gérer un projet. Et encore une fois, voilà, l'objectif, hein, vraiment pour que tout le monde le visualise bien, c'est vraiment de délivrer, c'est plus un projet, mais c'est finalement un service. Donc à la fin, c'est vraiment une entité qui soit une infrastructure et une équipe opérationnelle et de manière plus large, une gouvernance en place qui permette vraiment d'assurer un service efficace aux utilisateurs finaux. Oui, donc si je comprends bien, en fait, l'idée, c'est de passer comment dire, du financement à la production d'une infrastructure. Hein. Je dis infrastructure et j'englobe là-dedans toute la tuyauterie, enfin, bon, toute l'ingénierie. Et c'est donc passer d'un état d'esprit, je produis une infrastructure, à je produis un service qui va être capable de durer 100 mois et sans nouvel argent. Pendant, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est vraiment l'aspect, quel va être l'apport finalement à l'utilisateur final en termes d'eau, en termes d'assainissement. Comment est-ce qu'il va, ça va améliorer ses conditions d'accès à l'eau? Comment est-ce que ça va améliorer le traitement de ces eaux usées? Et c'est vraiment donc des composantes extrêmement différentes. Voilà, de dire finalement, je cherche juste à mettre en place une infrastructure où je vais regarder dans le final quel va être l'usage en eau de l'amélioration pour l'usage en eau des utilisateurs finaux, également l'impact énergétique, donc l'impact climatique du projet. C'est vraiment un changement complet de focus. Et encore une fois, voilà, ce qui est très important.
important, c'est que ça oblige à concevoir le projet beaucoup plus en amont, notamment sur les aspects, les modalités d'achat du projet, par exemple. On va vraiment devoir travailler de manière beaucoup plus en amont et d'intégrer des composantes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, comme encore une fois, intégrer l'aspect genre dans le projet, intégrer aussi ça peut être par exemple intégrer de manière harmonieuse les jeunes et les populations plus âgées qui peuvent avoir de la compétence sur l'aspect opérationnel pour transférer leur savoir-faire aux nouvelles générations. Donc il y a vraiment tout un aspect beaucoup plus social, beaucoup plus humain finalement, qui est extrêmement intéressant dans la manière de gérer le projet et qui va faire qu'il va être beaucoup plus intégré avec les populations finales et qu'elles vont s'en emparer beaucoup plus rapidement. Donc vraiment cet aspect durabilité est sans doute la clé, puisque évidemment durabilité veut dire aussi que ça va éviter à la collectivité de devoir financer une nouvelle infrastructure à très court terme. Et donc, au final, elle va faire de l'économie, elle va avoir une infrastructure plus respectueuse de du climat, avec un meilleur impact énergétique. Et donc voilà, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Je repensais là à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous nous avez parlé de si on cherche à résoudre problème 1, problème 2, à la suite, c'était une fin, c'était justement une démarche sans fin. C'est bien ce que vous nous avez dit. Et du coup, là, ça j'en profite pour faire un petit aparté, mais c'est exactement, il me semble, la différence entre être un problem solver et un solution focused. Et donc je vais le dire en français ou en mauvais français. C'est la différence, il me semble, entre être quelqu'un qui résout des problèmes, être une organisation qui résout des problèmes et être une organisation qui est orientée sur les solutions. Et là, vous le dites, il m'a semblé que vous l'aviez dit très bien, c'est qu'à partir du moment où on cherche à résoudre des problèmes, ou comme ils disent en anglais, to fix the problem, à partir du moment où on cherche à réparer à quelque chose, c'est en réalité une suite sans fin, parce qu'on est, à échéance de la prochaine itération de problèmes, qui, elle, vient peut-être se découler sur un autre système et ainsi de suite. Et du coup, il me semble, il est assez intéressant de le noter, parce que je pense que ça aussi, ce sont les compétences du futur, autant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle des organisations, d'arrêter d'être des résolveurs de problèmes. Et ça, quand on regarde les offres d'emploi, on voit ça à longueur de journée. Vous êtes un résolveur de problèmes, nous avons besoin de vous. Alors je préfère vous prévenir, être un résolveur de problèmes, c'est juste être sûr qu'on aura toujours des problèmes. Alors que lorsqu'on commence à être orienté sur une solution, la solution, elle, est là pour que justement les problèmes n'apparaissent pas, qu'on ne soit plus dans cette espèce de dépendance aux problèmes, et ce n'est pas une dépendance voulue en général, c'est une dépendance subie. C'était le petit aparté. Et il me semble que justement, ce que vous nous présentez, où on cherche à intégrer autant les dimensions sociales que la dimension capacité des individus à rendre durable le service, à produire le service et à le rendre durable, on est effectivement autrement que dans le « je résous un problème ». Petit aparté. Non, c'est très bien résumé, vous avez raison. Alors, c'est vrai que ça paraît peut-être évident, mais dans la pratique, c'est vrai que c'est pas toujours facile à faire. Il y a beaucoup d'obstacles. Alors, notamment les organisations internationales ont des systèmes d'analyse de risque assez
assez développée, et cette formation des capacités est évidemment analysée, et en fonction de la capacité, ben, il peut y avoir de la formation, du développement qui est mis en place, etc., pour améliorer cette capacité à justement, comme vous le dites, gérer non plus seulement un petit problème, mais arriver, voilà, à gérer une situation et à faire en sorte que les problèmes finalement apparaissent de moins en moins. Effectivement, je pense donc sur les aspects gouvernance, il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui permettent d'améliorer les choses. Sur l'aspect, encore une fois, opération et maintenance, là aussi, là, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment, comme vous le dites, permettre justement à toutes ces organisations d'avoir beaucoup plus de savoir-faire. Et au final, qu'on puisse aussi monter à chaque fois le niveau de complexité des projets. Voilà, je pense que ce qui est très important, c'est exactement comme vous dites, c'est que on voit bien que les problèmes apparaissent, de manière complètement imprévue. Je pense que personne, je pense que personne n'avait prévu la crise actuelle, notamment de la Covid. Et on sait que la prochaine crise, qui va aussi affecter les services d'eau et d'assainissement, n'est pas anticipable. Donc, on voit bien que c'est extrêmement important d'améliorer. Donc, c'est un terme utilisé, mais qui est aussi important, la résilience des systèmes. Voilà. Et on le voit aujourd'hui, c'est vraiment les systèmes résilients qui ont été capables d'absorber un choc, de s'adapter, de revenir et de continuer à opérer. C'est extrêmement important. Et ça se fait, voilà, en étant capable d'absorber des nouvelles pratiques, de la nouvelle technologie, des nouvelles situations. Donc, c'est extrêmement important, voilà, de plus être finalement uniquement là pour résoudre un problème donné, puisque le prochain problème, par définition, n'est pas connu, mais d'aider vraiment l'organisation à améliorer cette résilience. Donc là, voilà, je pense que vraiment la bonne nouvelle, c'est que c'est maintenant intégré, notamment dans les organisations internationales, de manière très claire. Voilà. Après, pour le mettre en musique, effectivement, ça va passer, voilà, par des outils comme STEEP, par beaucoup de travail maintenant, pour travailler sur le terrain aux côtés de ces organisations pour vraiment améliorer leur capacité opérationnelle. C'est vrai que le changement de mentalité, autant s'opère toujours d'individu à individu, il n'est pas forcément facile à réaliser lorsqu'on parle à des gens qui ont du pouvoir parce qu'ils sont eux-mêmes pris souvent dans des conflits de pouvoir et d'autorité et d'influence. Cependant, ce que je trouve super génial, c'est que pour contourner ça, vous avez créé un outil. Dont on va mettre le lien tout à l'heure. Hein. On est d'accord, il y a un lien accessible à cet outil et gratuitement, sans payer. Du coup, Absolument. effectivement, quand on apporte un outil qui semble concret et utilisable assez facilement, hein, sans avoir un doctorat en microbiologie ou en mathématiques, il faut que ça reste accessible aux gens. Voilà, ça c'est une excellente initiative, il me semble, et félicitations à vous, à votre équipe et à ADB pour cette initiative. Et sur ces félicitations, je pense que ça paraît très très bien pour finir de conclure cette interview. Stéphane, je vous remercie hein, du temps que vous avez pris pour nous expliquer tout ça et puis de nous avoir éclairé sur ces enjeux et sur tout cela, voilà. Merci beaucoup Xavier pour cette opportunité. Avec grand plaisir. Et oui, effectivement, l'outil est gratuit, absolument téléchargeable. Ça contribue, voilà, on est convaincu qu'il faut effectivement aider les organisations sur le terrain à améliorer leur capacité managériale,
à disposer d'outils comme ça, simples. Moi, je suis toujours très intéressé par les problématiques de management des hommes, notamment sur le terrain, et pour la capacité des fois des organisations à mettre en place des organisations très performantes. Et je suis convaincu que ça passe, voilà, avec ce genre d'outils qui permettent d'améliorer les capacités locales, de mieux comprendre avec des indicateurs clairs comment on se situe et d'avoir un système d'amélioration perpétuelle. Merci beaucoup, Xavier. Et à une prochaine. Merci Stéphane, au revoir.